Ambiance de joie à Korokara, village d'environ 1000 âmes dans la sous-préfecture de Mbengue. Les populations de ce village s'abreuveront désormais en eau potable grâce à la mise en route de son château d'eau, le don de l'entreprise minière Randgold Resources. Outre le château d'eau, Korokara s'est vu remettre par le même donateur un bâtiment de 3 salles de classe pour son école primaire, le tout d'une valeur de plus de 115 millions de francs CFA. Des œuvres sociales saluées par les populations. Le député Sanogo Mamadou a traduit la reconnaissance de tout le peuple sénoufo avant d'inviter la bénéficiaire à s'organiser afin de mieux gérer ses ouvrages. Pour le préfet de Ouangolo-Dougou, Sendou Koulibaly, c'est donc constitué un acte citoyen qui doit servir d'exemple. Le directeur général de Randgold Resources soutient que leurs actions sociales visent à se rapprocher de la population et surtout à faire bénéficier aux riverains des fruits de leur travail. Il a fait la promesse de poursuivre ses actions en vue d'améliorer les conditions de vie des populations. Korokara n'a pas été le seul bénéficiaire de la générosité de Randgold Resources. La ville de Mbengue a vu sa radio communautaire équipée en matériel technique